Qu'est-ce que c'est à votre avis? Aucune idée. C'est la première fois que je vois ce genre de choses. Je parie que ça vient du fin fond de l'espace. S'il vous plaît, s'il vous plaît, faites que ça vienne du fin fond de l'espace. Mais non, c'est juste ma capsule temporelle. Hein? Mais c'est encore plus excitant. Ça veut dire que ça vient du fin fond du futur. Non, c'est une boîte dans laquelle on met des objets qu'on adore et ensuite... on l'enterre. Comme ça, personne ne pourra regarder ce qu'il y a dedans. Ah oui, je connais. Des années plus tard, on l'ouvre et on ressort des objets qui nous rappellent plein de bons souvenirs. Exactement. On l'a enterré avec Bunker quand on était jeune. Wow! Ça devait être il y a super longtemps alors. Ben, ouais. Wow! Mais t'as pas du tout changé. Merci, Ricky. À part que t'étais beaucoup plus jeune. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à l'intérieur? Mon vieux couteau suisse répare tout. 10 outils en un, pour tout réparer, on a tour de pince. C'était nul. Oh. Et le premier sifflet de l'agent Bunker. Il n'a pas servi depuis très longtemps. Hey, j'ai une super idée. Oh, vous allez adorer. Nous aussi, on devrait enterrer une capsule temporelle. Oui. Vous n'avez qu'à utiliser la mienne, je vous la donne. Hey, c'est fou. Ricky vient d'avoir la même idée que moi. On va chercher ce qu'on va mettre dedans. Et vous? Oh, Zouzou. Oui, c'est parfait. Alors, qu'est-ce que vous allez mettre à l'intérieur? Attendez, on va filmer la scène. J'ai choisi mon plus beau trophée. Je l'ai gagné dans un concours de cascade. Je suis arrivé premier en faisant ça. D'accord, génial. Suivant. J'ai choisi de mettre une clé dans la capsule. Hein? Parce que j'adore les outils. Suivant. J'ai choisi de mettre mon rôle doudou. Je l'ai eu quand j'étais petit, mais maintenant je suis trop grand pour ça. Je suis plus un bébé, je suis une vraie moto-secouriste. Je vais mettre cette vidéo à l'intérieur et on la regardera tous ensemble quand on sera grand. Mes parents vont bientôt goudronner un parking. On pourrait l'enterrer là-bas. Et boum! Excellente idée. Elle sera bien protégée sous le goudron. Ouh! Enterrer! Dans un parking! Génial! On va faire ça après le déjeuner. On se retrouve là-bas. Ils sont partis d'un seul coup. On dirait qu'ils veulent laisser faire l'eau. C'est qu'un roule doudou, ça ne me manque pas. Non, 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 il me manque absolument pas. Fantastique tous les deux. Ah, Zouzou! Oh. Oh non, Zouzou! Je peux pas te laisser là-dedans! J'ai besoin de récupérer mon rôle doudou! Oh. En fait, j'ai changé d'avis. Je préfère mettre mon vieux klaxon à la place. Ouais! Ce serait génial dans la capsule! Je veux dire, si je ne l'avais pas déjà enterré. Oh, tu as fait quoi? Ben, qu'est-ce qu'il y a? Hé.
sûr d'avoir caché la capsule en face de nous. Je me souviens très bien de cette pierre. Attendez! Je me souviens très bien que c'était pas sous cette pierre, mais de l'autre côté vers la barrière. Attendez! C'est justement là que j'avais décidé de ne surtout pas l'enterrer. Loup, tu pourrais pas être un peu plus précis? Désolée, je vais essayer. Ah, ça y est, je me rappelle. Je l'ai enterré près d'un morceau de bois à côté d'une pierre et pile en dessous d'un nuage en forme de roue. Oh non, le nuage a disparu. Oh. Allez, venez, on va continuer de chercher. D'accord. Regardez partout, tu te rappelles rien? Nous voilà, nous voilà. Laissez passer les rumbleurs. Maman, papa, qu'est-ce que vous faites ici? Quelle question! On va commencer à goudronner le parking. On ne reste jamais sans rien faire, même le dimanche. Non. On doit d'abord rapporter le reste du matériel. Comme je dis toujours, il n'y a rien de plus beau que moto, boulot, dodo. Scootio, on pourrait s'aider de la Zoom Cam. Zoom Cam, action! Et surtout,
sous ce grand nuage qui ressemble à une moitié de banane. Oh, loup! Un séjour, Monsieur Klaxon. Tu vas me manquer. J'oublierai jamais tout ce qu'on a fait ensemble. Bon, eh ben, vu qu'on a fait des trous partout dans le terrain, on a un peu de travail pour le remettre en état. Ça y est, c'est le dernier. On a enfin terminé. Laissez passer l'équipe des travaux. Comme je dis toujours, la belle vie, c'est deux fois moins de dodo et trois fois plus de boulot. Vous avez fait un travail formidable pour boucher les trous et aplatir le terrain. Attention, chaud devant. Hey, Ricky, j'ai une petite surprise pour toi. Une surprise? Nous avons réussi à reboucher le tuyau d'eau avec autre chose. Hein? Zouzou! Merci, Madame Grumbler! J'aimerais beaucoup, mais tu te débrouilles très bien. Tu n'as pas besoin de mon aide. C'est vrai? Voyons voir. Voilà, t'as été parfaite. C'était la plus jolie chute que j'ai jamais vue. Je crois que je vais quand même avoir besoin de ton aide, Ricky. Mais il n'y en a pas pour longtemps. J'aimerais vraiment t'aider, toute. Mais j'ai quelque chose d'important à faire. C'est plus important que mon balai de moto. Ah ça, ça m'étonnerait que ce soit la vérité. Ta chair. Hé les amis, alors t'es prêt pour un petit tour, cousin? Ou t'as trouvé autre chose à faire? Non, rien d'autre à faire. Je suis complètement prêt. Ça va être la journée la plus cool de tous les temps. Qu'est-ce qu'on fait en premier? Des cascades, une course, manger des pizzas? Le balai de moto d'abord. Après, on s'occupera du reste. Je savais pas qu'aujourd'hui, on allait faire tout ça. La journée va être géniale. Désolée, toute. Mais j'ai organisé cette journée seulement pour Dasher et moi. Tu veux dire que vous faites des choses cool, mais par contre, ce que moi, je vous propose, c'est pas intéressant. Exactement. Je savais que tu comprendrais. Bon, c'est réglé. Allez, on fonce. À plus tard, toute. Je t'aiderai à t'entraîner quand je rentrerai. C'est promis. Je suis toute! La moto super cool, pas vrai? Bon, je vais faire des vrilles sur la rampe! Cool! Ouais! Wouhou! Allez, brouille! Wow, ouais! Ouais, bien joué! Maintenant, regarde ça! C'est trop cool! Tu pourras me montrer comment tu fais ça? À moi aussi! Ces cascades vont être encore plus cool quand c'est moi qui les ferai! En fait, ces cascades, c'est un secret de la famille Zoom. Ça reste entre nous. Hé, hey, Ricky! À ton tour! Je dois y aller! Vas-y, Ricky! Ouais! On met les dents! C'est parti! Hé! Hey, j'ai aussi des cascades secrètes! Tellement secrète que je les connais pas non plus. Ils nous ont mis à l'écart. Ouais! Attention, je tire! Ils jouent encore ensemble! Vous croyez que Ricky nous a complètement oubliés? Ricky pourra jamais oublier ses meilleurs amis! Scootio, DJ et... Oh mince! Le troisième! Loop! Ouais! Loop! À mon avis, Ricky est devenu beaucoup trop cool pour s'amuser avec nous. Vous aussi, vous croyez ça? Eh bien, j'ai quelque chose de très amusant qu'on pourrait faire ensemble et pas besoin de Ricky. Oh, est-ce que c'est une fête? Non, ce n'est pas une fête, mais vous pourrez quand même danser. J'étais pas loin. Ouais, on met la gomme. Tu peux compter sur nous. Oui. Hmm.
Noix de coco, c'est mon parfum préféré. Eh bien, moi aussi. Je croyais que tu préférais la banane. Oh, oui, j'aime bien. Mais la noix de coco, c'est plus cool que tout le reste. Et Dasher, maintenant qu'on a fait le plein, on pourrait aller faire des glissades, quelques sauts ou s'entraîner au dérapage. On pourrait se promener. Oui, se promener, les promenades, c'est cool. Ou on pourrait aussi faire une course jusqu'au phare du vent. Ce serait cool et super excitant. Bien sûr. Contre qui tu veux te mesurer? Tu veux dire qu'on ne serait plus juste tous les deux? Bah ouais, une course c'est plus amusant quand il y a plusieurs motos. Je suis sûre que mes amis seraient d'accord pour venir. On fait la bande des copains contre les Ricky Dasher. Les Dasher Ricky, les Dashy Ricker. Voilà, c'est ça. Oui, ça c'est un nom d'équipe super classe, cousin. Ils vont être très contents de faire cette course. On est vraiment trop cool. Wow. Oh, tiens, Ricky, il te plaît mon club de danse? Ok, les amis, on va reprendre au début. 1, 2, 3, 4 et on saute. 2, 3, 4, on recule. 2, 3, 4, on revient. 2, 3, 4. Oh, ouais. Faire la course contre nous jusqu'au phare du vent. Allez, venez, ça va être super cool. Désolée, Ricky, mais là, on est déjà occupé à faire quelque chose. Oui, regarde comme j'ai l'air léger quand je danse sur mes deux roues. J'adore le ballet de moto. Bon, d'accord. Waouh, amusez-vous bien. De toute façon, Dasher et moi, on a plein de choses cool à faire. C'est la vérité, hein, cousin? Tu as totalement raison, cousin. Allez, en route. Mais pas pour longtemps. Tu vois, Dasher, je vais gagner. Hein? Dasher, je vais devoir filer, cousin. J'avais complètement oublié, mais j'ai une course avec Ashley. Ashley, la fusée? Waouh, trop cool. En route. Désolé, Ricky, mais ce genre de course-là, on peut pas la faire à trois. C'est entre Ashley et moi. Oh, donc je peux pas venir? On en fera une plus tard, ok? Allez, salut cousin! Puisque c'est comme ça, je vais aller au club de danse de toutes. Sauf qu'ils n'ont pas l'air d'avoir besoin de moi là-bas. Je n'ai qu'à rouler jusqu'au phare du vent tout seul. Ricky contre Ricky! Et c'est Ricky à la première place! Il est suivi de près par Ricky! Il le rattrape! Je suis sûre que les autres voudraient bien être là. C'est trop cool. Ça va, je n'ai rien. Mais comment je sors de là? Rapizoom, action! Je ne vais pas y arriver! Il faut que j'appelle à l'aide. C'est quoi ça? Un feu d'artifice! Oh non! Il y avait une fête et je l'ai encore ratée! Je crois pas que ce soit un feu d'artifice, Lou. Ça ressemble plutôt à la fusée de détresse de Ricky. Il a
les amis, on tape les roues et c'est parti. Par contre, cette fois-ci, les amis, c'est toutes et les toupies à la rescousse. Ricky, est-ce que ça va? On est venu dès qu'on a vu ton signal. Oh, waouh! Je suis très contente de vous voir, les amis. Ne t'en fais pas, je vais te tirer de là. Dis-moi ce qui se passe. Merci, DJ. Ma roue arrière est coincée et je ne peux plus bouger. Scuba, c'est à vous de jouer. Super fort dans les situations d'urgence. Et moi la première. C'est vrai que tu es forte, toute. Qu'est-ce que je deviendrais sans toi? D'accord, mais dis-moi, Ricky, maintenant, est-ce qu'on est assez cool pour que tu t'amuses avec nous? Les amis, vous êtes même trop cool pour moi. Mais vous seriez d'accord de me laisser aussi faire partie de votre groupe? Oh ouais, 4 moteurs, c'est mieux que... je sais plus combien on était tout à l'heure. Je ne sais pas, Ricky, fais voir comment tu bouges. Hop, regarde ça. Bon, qu'est-ce que t'en dis, toute? Eh bien, ça manque de travail, mais on va quand même te laisser une petite chance. Yo, Ricky, me revoilà. Alors, on a fini cette course? J'ai une meilleure idée. Et si tu rejoignais aussi les moteurs? On va devoir agrandir le club de danse. Allez, tout le monde en place, on fait la danse de Wilbard. Vérifiez bien qu'on ne voit pas la bosse sur mon garde-boue. Voici Maxwell. Vous connaissez tous son garage. Racontez-nous comment Wilford est devenu cette ville qu'on adore.
Oh. Voilà une scène qui a besoin de musique. Eh bien, il y a de cela très longtemps, mon père, Maxwell Senior, a ouvert un garage ici, à cet endroit. Quand la ville n'était encore qu'un village. Et oh, vous pourriez pas éteindre cette usine. C'est donc votre garage qui a permis à Wilford de devenir la ville géniale qu'on connaît tous. C'est une super histoire, Maxwell. Oui, et je peux aussi vous la raconter en gros plan si vous voulez. Cool, Toot. Je suis faite pour les gros plans. J'ai fait quelque chose de drôle. Non, en fait, c'est ta sœur qui est trop rigolote. Scoutio, tu peux montrer ce qu'on a déjà tourné? Surtout la partie avec moi et Maxwell. Oui, ok. Attends, faut que je cherche. Non, c'est pas ça. Franchement, c'était le meilleur. Bon, et moi, est-ce que tu m'as filmé au moins? Oh! Oui, bien sûr. Il faut juste que je retrouve les images. Attends. Non, pas ça. Ah, voilà! Enfin, il y a quand même toutes, mais... Oh non! Tout ça, ce sont des images de ma sœur. Désolée, Ricky. J'ai pas résisté, elle était trop drôle. C'est vrai, j'ai failli avoir une fuite d'huile à force de rire. J'essayais pas d'être drôle. Je voulais juste trouver une lampe pour pouvoir m'occuper de la lumière et faire le film avec vous. Et ça y est, j'ai trouvé. Bon, on va aller interviewer l'agent Bunker. Et cette fois, reste concentré sur notre film, d'accord? Oui. Monsieur l'agent Bunker, pourquoi Wilford est une ville géniale pour vous? Voyons voir. Pourquoi Wilford est génial? Tout d'abord, il y a peu de circulation. Et la plupart des gens respectent les limites de vitesse. Ça vous arrive de mettre des amendes? Oui, quand les gens font des bêtises. Vous pourriez nous montrer? Donnez-moi une amende. Ça ferait une super scène pour notre film. Désolé. Je ne peux donner des amendes que si quelqu'un a enfreint la loi. Ça aussi, c'est la loi. S'il vous plaît. Ça fera partie de notre film pour l'école. Si on gagne, il sera projeté au cinéma. Au cinéma? Rien que ça. Dans ce cas, je vais faire une exception. Ouais. Ricky Zoom, je te donne une amende pour avoir... Pourquoi je te donne une amende? Parce que vous me trouvez fabuleux. On ne met pas des amendes pour ça. On fait semblant. Vous ne trouvez pas qu'il est fabuleux? Ah, d'accord. Je te mets une amende parce que tu es fabuleux. Ça va te coûter cher. J'adore votre machine. Je suis désolée, agent Bunker, mais je peux pas m'empêcher d'être fabuleux. Non, mais qu'est-ce que tu fabriques tout? Ça y est, elle refait son truc là, quand elle devient trop rigolote. Hey, c'est le matériel officiel des agents. Interdiction d'y toucher. Stop. Maintenant, ça suffit. Ce n'est pas un jouet, c'est réservé à la police. Et moi aussi, je suis dans la police et je vous donne une amende. Ça suffit. C'est du gaspillage. Alors ça, c'est génial. On devrait faire un film comique avec toutes. J'ai jamais rien vu d'aussi drôle. Et la tête de Ricky, alors? Elle est pas super drôle? Non, pas tant que ça, en fait. Pourquoi tu fais cette tête? Ah, oh, mais vous avez oublié pourquoi on fait ce film? De quoi ça parle? De toi? Oui. Enfin, non. Non, c'est un film sur Wilford. Eh, vous savez ce qui serait génial? Ce serait d'aller interviewer une célèbre équipe de motosecouristes. Oh.
suis désolée, Ricky. Mais on n'a absolument pas le temps. On a reçu un appel d'urgence, il faut qu'on y aille. Loup, ton père est tombé dans une crevasse en distribuant le courrier. Ouais, ça lui arrive souvent, ça. On pourrait venir? S'il vous plaît, ça fera une super scène de sauvetage pour notre film. D'accord, à condition que vous ne geniez pas les opérations. On ne voudrait pas avoir à vous sortir de cette crevasse sans plus de Don. Allez les amis, on fonce. Je parie que notre film va faire un carton. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est la malédiction de la famille Hoopla. On ne voit pas les crevasses avant d'être tombé dedans. Eh, vous allez où, là? Don, on va te tirer avec des grappins. Oui, on va te sortir de là en moins de deux. Non. C'est normal qu'il soit tombé dans ce trou. C'est plein de taches d'huile ici. Ça y est, ça recommence. Je peux faire quelque chose. Je peux vous aider, vous savez. Ricky, je préfère que tu attendes derrière avec tes amis. On se débrouille très bien tout seul avec ton père. Faut que je reste derrière avec les autres. C'est super nul pour une star de cinéma. Ah, ça va mieux. Oh, merci, Hank. Merci, Hélène. Ça a été encore plus rapide que la dernière fois. Oh, à tous les coups, ça doit être Blip. Tel père, tel fils, vous savez, il a dû encore finir en haut d'un arbre. J'espère que ça te servira pour ton film. À tout à l'heure, les enfants. Oh ben, c'est pas tout ça, mais j'ai du courrier à distribuer. Attention, papa, il y a une flaque d'huile. Papa, maman, ils sont déjà loin. Mais tu peux le faire, Ricky. Moi? Toi aussi, t'es une moto-secouriste. Bien sûr que j'en suis une. C'est à moi de tout faire pour l'aider. Ricky, à la rescue. Rapid zoom. Action. Accroche-toi, je vais te sortir de là. Arrête, c'est pas moi qu'il faut filmer, c'est Ricky. T'as raison. Allez, ça tourne. Merci, tous. Et c'est reparti. Une fois encore, merci Ricky. Hé, Toot, ça te dirait de finir le film avec moi? Tu sais ce qu'il faut dire. Wilford est une ville géniale pour plein de raisons. Mais ce qui la rend vraiment unique, ce sont tous ses habitants, nos amis... Et bien sûr, notre famille. Attendez, c'est pas fini, Yank.